verra. Hein. Problème, c'est qu'on va où. Oh, oh, je vois un laser sur elle. Hein. Là, comme ça. Bang! Ouais! Trop bien. J'ai vraiment adoré. Attends. La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Rejoins-nous tous les soirs à partir de 22h pour des games de folie et c'est peut-être toi qui choisiras le prochain champion. Regarde donc dans la description et à ce soir sur Twitch. Moi qui avais le contrôle sur la game, j'aurais cliqué sur lancer maintenant. Donc Annie, ce sera après. C'est comme ça. Bon alors, vous avez passé une semaine correcte? Ça va? C'était bien la journée d'hier? Vous avez sauvé le système des retraites? Vous avez sauvé notre magnifique système de retraite par répartition? Hein? Afin de créer un monde plus juste, plus équitable? C'est beau, merci à vous. Merci à vous tous. Donc du coup, Yumi. Pour la première game de la journée, de la triche. C'est Annie en premier, Annie support. Non, je joue pas Annie support. Je joue pas Annie support pour des raisons évidentes de... j'ai pas envie. Voilà. Et bonsoir monsieur Désasseur. Salut Monkey. 2 millions. Je crois avoir bien compté le nombre de zéros. Il y a 6 zéros. Salut Monkey, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, tu risques de passer un excellent moment. Tu es officiellement le 4002e follower. La barre des 4000 est donc littéralement explosée au point d'en être. Ah mais Yumi ban. Bonsoir x 10 puissance 6. Exactement, x 2 x 8, 10 puissance 6. Yumi ban. Eh ouais. Bah du coup c'est luxe. Luxe support. Ça c'est ce qu'on aime pour une game de chauffe. Une semaine de 4 jours de repos, t'as cru que t'étais en vacances carrément. Enfin, en plus il fait beau en ce moment. Va mid. Non, je vais pas mid. Non, je vais pas mid, je suis support, je joue support. J'aurais été mid si tu m'avais laissé jouer Annie. Mais là, tu l'as prise. Comment on fait? Qu'est-ce que t'es en train de me faire, Minever? T'es en train de me compliquer la tâche dès le début. Je n'irai pas mid. T'es un peu saoulé par tes mates. Oh, la routine habituelle, quoi. La routine habituelle. Bonsoir, Romento. Bonsoir, tellement. Luxe non AP, c'est pas mal. Bah moi je vais jouer luxe support non AP, ouais. Karma support ça aurait été mieux. Ouais mais Karma elle est plus bas. Elle est plus bas de 1 point dans la liste. T'as un pic secret OP avec Yumi. J'espère être avec moi pour la prochaine. Ce qui est OP avec Yumi c'est tout. Hein. Voilà j'ai ce build mage enchanteur. Qui est exceptionnel. Il est littéralement enchanteur. Ça va être très bien. Tu la trouves mieux mid luxe? Je pense que ça se vaut. Honnêtement je pense que ça se vaut. J'ai une préférence pour support parce que je me sens... Je me sens plus efficace en tant que support qu'en tant que mid en règle générale sur Wild Rift. Mais en vrai, ça se voit. C'est pas non plus dingo, mais si Luke support, tu places tes spells, c'est ok. C'est très correct. Ton pick n'est pas connu. Ah, ton pick ne fait pas partie des 97 personnages présents dans le jeu League of Legends Wild Rift sur téléphone et tablette. Vous êtes allé voir le stream de Demon? Demon, il a commencé un Nuzlocke comme moi. Il a fait une session, il a streamé 13 heures, ce grand malade. Grand malade. Yumi, les dégâts sont indécents en ce moment. Yumi, en ce moment, c'est de la triche. C'est de la triche. Mais bon. La triche légale, quoi. C'est qui, lui? Tu vas sur les streams Wild Rift en France, tu filtres. Tu vois, là, il est en stream actuellement. Son stream, il s'appelle To Watch Da Hero. Et tout le monde l'appelle Demon. Et le nom de son stream, c'est Défi Nuzlocke de Cocotti. Voilà. Us Entry Turkey, je sais pas comment ça doit être pris. À mon avis, mal. À mon avis... C'est quoi ce skin-là? Ah, c'est un Graves! Ah, mais pourquoi je vais sur la solo lane? J'étais en train de me dire, c'est bizarre. Hier midi, oui, puis on se disait avec mon pote que la hache était clairement pas gold. Ah oui! Ouais, bah oui, tu jouais... Je sais plus c'était quoi, c'était Alistar Yasuo, un truc comme ça, votre combo, ou Malphite Yasuo. Je comprends pas un truc, dans mon équipe j'ai eu un main sup autofill top, un main top autofill sup. Les mystères de la solo queue. Hein. Je pense que c'est les mystères de la solo queue et rien d'autre. Le jeu voulait t'imposer un challenge. T'as gagné ou pas?
avec ce beau challenge. Boum, la cage. Quoi? Pourquoi ça a touché le sbire de gauche, là? Bizarre, ça. Le sbire Philippe Martinez qui s'est mis sur mon chemin, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Luxup a fini en 0-10. Oh, c'est chaud de faire 0-10 avec Lux. Reste au loin, tu lances des cages, des trucs. Tout se passe bien. Oh, vous avez vu Philippe Martinez sur backseat? Genre... Le leader d'une des principales organisations syndicales en France, le jour de la plus grosse grève de l'année pour l'instant, plutôt que d'aller sur des plateaux de télé, il va sur une chaîne Twitch. Ça, c'est cool. Jean Massy a pris du galon, quoi. J'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi t'as pas de vie, H? Comment ça fonctionne, les histoires, là? Boum, ça touche. Boum, ça touche. Ah, ça touche aussi. Game de chauffe, hein. Game de chauffe, tu coco, tu connais. Minevor, sur ça, Annie. Annie mécanique, on va l'aider. Donne une assist. Juste une, nickel. Bah, c'est quoi cet exhaust là? C'est quoi cet exhaust l'eau? Ah, j'ai foiré mes boutons. Le sbire Philippe Martinez, il avait une belle moustache bien fournie. Ah bah Philippe Martinez, tu peux lui trouver des qualités, des défauts, tu peux l'apprécier, tu peux ne pas l'apprécier, évidemment. Hein, c'est chacun sa sensibilité politique. Par contre, tu serais bien mal avisé de critiquer... la qualité de sa moustache. Là, pour le coup, je t'avoue que si un jour je pouvais avoir une aussi belle moustache, je pense que je l'exhiberais très fièrement. Je la montrerais à tout le monde. Je l'atteindrais même, probablement. Petite moustache. Alors, je sais pas trop quelle couleur. Rien de trop extravagant, hein. Je pense un simple vert. Mais par contre, avec un coloris qui brille dans le noir, tu sais. Un truc fluorescent. Quand t'éteins la lumière, tu vois plus qu'une moustache qui vole avec un grand sourire et des yeux. Ça en jetterait. Ça fait partie de mes projets de vie aussi pour l'année. Hein, évidemment. C'est important d'avoir des projets, de se fixer des objectifs. Même si on les réalise pas tous, au moins on fixe un cap. Vous remettez des points sur Yumi là? Ah, vous voulez que la game d'après ce soit Yumi et pas, hein, pas Annie? Ouais, elles sont toutes bien, hein, y a pas de soucis. Trop hâte d'avoir mon ulti et de sniper rien du tout. OMG, ulti cross map. Non. Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qu'il a dit, Koboti? Il a dit, restez assis, ne paniquez pas, ne sortez pas les bras du véhicule. Interdiction de faire le con. Vous savez que j'ai vu ça un jour à la fête foraine. À la fête foraine d'Orléans. C'est une grosse fête foraine, hein, tu vois, il y a des grosses attractions, le truc qui reste pendant un mois et demi, ça ressemble presque à un parc d'attractions vu de loin, c'est un délire, hein, les fêtes foraines dans les très grandes villes. Et du coup, il y avait un espèce de grand 8, quoi, hein. un train qui fait des loopings et tu te mets dedans et ça fait... Et du coup, comme dans tous ces trucs-là, c'était écrit à l'intérieur, ne sortez pas les bras, faites attention à vous, etc., quoi. Comme c'est toujours écrit, et c'était écrit en toutes lettres, interdiction de faire le con. Ça m'avait mis très très bien. Rien que ça, j'avais passé une excellente journée. J'avais trouvé que c'était dit de façon très juste. Et pour le coup, personne ne pouvait dire, j'avais pas compris la consigne. Ulti ! Ça touche pas. J'ai dit à mes potes qui jouent à LoL que l'ulti Lux a une portée infinie, ils ont dit, ouais, ça doit être trop cheaté. Tu leur as dit que... Oh là là, mais la gorge... tu leur as dit que la roue de H était téléguidée ou pas? Tu dis que sur PC est pas infini, mais il fait plus mal. Ouais, les ratios AP de Lux sur PC sont globalement vachement plus forts. Lux en mid-game, ça peut one-shot plus ou moins n'importe qui. T'es pas trop tanky, quoi. Alors que Lux AP sur Wild Rift... Même bien en avance, ça one-shot pas forcément.
Salut Castle of Pain. Ils étaient choqués. Tu leur as dit que Lee Sin n'avait pas besoin de cible pour son 2, pour ce que eux appellent le Z. Et tu savais même pas qu'il avait besoin d'une cible sur PC. Et ouais. Demain ou après-demain, hein. Demain ou après-demain, session LOL PC sur la Cocotti TV. Ça va être scandaleux et pas forcément dans le bon sens. À tout moment, c'est mon moment. C'est mon moment! Bang! Je sais pas qui l'a eu. Avec qui? Avec Monsieur Bundy, mon collègue de bureau. Très sympathique. Bon, c'est Diana qui l'a eu. Mais Jean a pris 650 kills. Non, il en a pris 2, ça va. Donc, ça s'appelle, c'est du 80% de vie avec 2 items full combo proc elec. Ouais. Sur PC, c'est du 100% large. Large. Bon, en fait, sur PC, Disaster, Lee Sin, son deuxième sort, on peut le faire que sur un allié ou sur une ward. Un peu comme le deuxième sort de Broom, tu vois, mis à part qu'on peut faire sur les wards aussi. Du coup, les Lee Sin ont toujours des wards sur eux pour faire ce qu'ils appellent des ward tricks. Du coup, c'est vachement plus compliqué à jouer, quoi. Nous avons esquivé le gank. Comment ça se passe pour ma hache? 0-0-0, elle fait son farm, elle fait sa petite game. On lui en veut pas. J'ai pas pris d'assist d'ailleurs pour mon ulti au dragon. Ah bon, Piwiki. Ah bon. Saint-Jed. Qu'est-ce qu'on va jouer? Les insects sont plus faciles sur Wildrift. Oh, infiniment. Vraiment, vraiment beaucoup plus facile. Zoé, tu trouves ça un peu cheat? Zoé, je trouve ça vraiment trop dur à jouer. Mais bien joué, effectivement, ça a le potentiel d'être très fort. Vite! Ah non, j'ai mis trop de temps à me rendre compte qu'il y avait la petite boule bleue de Kane. C'est totalement ma faute. H au génie! Oh, babam. Dommage. Bonsoir, Perdo. T'as tout mis, Piwiki? T'as tout mis. 120 points. Oh, l'autre. Après, je peux nettoyer les sbires, normalement. Caméra 2. Ouais, je peux nettoyer les sbires. Arrêtez! Non, ils ont pas arrêté. Bon, la game Séraphine mid. Ah, tu l'as vu. Mince. On a fait ce qu'on a pu, hein. Je crois que j'ai mis des bons ultis, tout allait bien. Mais ça n'avait aucun sens, de toute façon, mercredi. Qu'on gagne la game de Pyke et qu'on perde la game de Séraphine, ça n'avait aucune logique. De toute façon, pour l'instant, cette saison, on a fait win-lose. On n'a jamais dévié de cette trajectoire. Donc la logique voudrait que, si on reste sur le même principe, cette game-ci soit win. Quoi qu'on fasse, la game d'après soit lose. Quoi qu'on fasse également. Quand est-ce que tu mets des arrows là? H, voilà. Petit arrow dans son fiac. Voilà, maintenant tu le tues. Ghost H. Intéressant. C'est intéressant. Très bien. Le Jean me touche à chaque Z. C'est parce que je fais pas attention à ce que je fais, ça. Tout simplement. Hein. Tu connais le concept de la game de chauffe. C'est la game de oulala. Qui a voté win là? Je crois qu'il n'y a que Poséidon qui a voté win. Vas-y, un bâton des flots. Un bâton de flow limbo. Ah, adieu mon pote. Attends, alors que peut-être. Millevor XXL. Je crois qu'il nous explique pourquoi PXXL dans son pseudo. C'est un mélange entre pixel et XXL. Genre un gros carré. T'as loupé la game de Pyke, Trisway? Eh ben écoute, elle était plutôt propre. Il y a bien évidemment encore beaucoup de progrès à faire, mais aussi fou que ça puisse paraître, je pense qu'on peut dire que sur cette game-ci, j'ai bien joué Pyke. Je sais que ça paraît fou. Oh là! Mais j'ai bien joué Pyke, quand même. Disaster se met très bien en cas de lose. Ah, c'est Disaster qui a voté lose? En vrai, t'étais pas horrible dessus mécaniquement. Attends, je sauve mon ADC, évidemment. Boum, en mettant 0 dégâts. Et ensuite, je vais lire ton commentaire et y répondre, évidemment. C'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de toi. T'étais pas horrible dessus mécaniquement, mais t'avais un problème de build et tu faisais pas assez gaffe à utiliser le 3 pour l'immobilisation et t'avais un Ezreal qui trollait. Et en plus, t'avais pas de skin, ce qui est un scandale. Ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir travailler pour la prochaine fois, effectivement. T'as vu 2K gratuits, tu t'es dit pourquoi pas. On verra, hein. Problème, c'est qu'on va où? Oh, je vois un laser sur elle, hein.
Là, comme ça. Bang! Ouais! Trop bien. J'ai vraiment adoré. C'est un excellent moment. Comment il s'en sort, Minevor? 1, 3, 4. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mes ultis étaient nickel. Ah! De toute façon, Séraphine, c'est avant tout un ulti, non? Bref, elle en fait des trucs bien, mais... Elle a surtout un ulti incroyable. Trop bien, les boucliers. Vu la taille du bouclier que j'ai mis sur Annie avec l'aller-retour avec les items support. Oh, elle a pas touché cette cage là. Oh, Annie, prends ce heal, prends ce bouclier. Voilà. Ça passe bien, Luke support. Hein. C'est très correct. Oh, attends, je participe. Ah, je l'ai même pas empêché de faire demi-tour. Trop dur de viser vers le bas. Que ce soit les ultis de Luke ou les arrows dash ou tous ces trucs là. Je trouve que viser vers le bas, c'est plus compliqué. On va pas faire beaucoup plus pour t'aider, mais normalement c'est à nous ça. Oh, j'ai pas de flash. J'ai rien de bien. J'ai rien de bien. Vas-y, je protège Diana avec mon corps. Je te donne ma vie, Diana. T'as eu le dragon, t'as eu le dragon, ça me va. Je crois. Ouais, deux dragons pour nous, c'est très bien ça. Petit peu deck que H soit fait un V1 par Jin. Ah, Jin 5-1-2, il y a des sous à prendre. Il y a même pas de sous à prendre. Pourquoi il a pas de sous à prendre? Bonsoir, beige. Comment tu vas? Comment avance ce brainstorming de noms d'équipe e-sport? Est-ce que ça avance, quoi? Moi, je comptais proposer les... Comme tu t'appelles Beige, je comptais proposer les Bejos. Comme ça, tu pourrais te renommer Jeff Bejos. Jeff Bejos, PDG de Bejos e-sport, tout simplement. Ça me paraît être une excellente idée. On a des nouvelles du tournoi? Vous, non? Moi, oui. on est en train de travailler dessus. On est assez nombreux à travailler dessus. Et on fait beaucoup de travail. On fait beaucoup de travail et ça avance bien. Donc, normalement, comme prévu, on devrait lundi ou mardi au plus tard vous faire la présentation du tournoi. Et il y aura dans tous les cas les inscriptions, je pense, jeudi, à partir de jeudi ou vendredi prochain. Mais ça avance beaucoup. Sauvé ? Oh, je l'ai pas sauvé vraiment. Oh, j'ai bientôt le bâton des flots. Il y a un kill à prendre là ? Pas vraiment. Oula. Ouais, ça suffit. Tchou ! J'ai tant de dégâts. Encore ? On se soigne encore ? C'est pas bien l'écho harmonieux sur Lux, comme du coup ça rajoute du soin sur ses shields. Peut-être, hein. Quel tournoi ? Bah le tournoi qui arrive. Tu peux participer. Tout le monde pourra participer, ben, évidemment. Évidemment que tout le monde pourra participer. Quel jour? Vous verrez quand ce sera annoncé. Comme je vous ai dit, on est encore en train de travailler dessus, donc tout n'est pas encore décidé. Vous savez juste qu'il y a un tournoi en préparation, qu'on est en train de travailler dessus, et que début de semaine prochaine, on fera la première annonce. Voilà. Début de semaine prochaine, on vous présentera quelques visuels. On vous expliquera le concept, voilà, de façon à ce que vous puissiez vous préparer mentalement et physiquement, évidemment. Et puis vers la fin de la semaine prochaine, on ouvrira les inscriptions. Et du coup, le tournoi, il aura lieu dans 2 ou 3 semaines. Quoi. On ne sait pas encore si on laisse une semaine ou deux d'inscription. Ce qui est certain, c'est que le tournoi s'étalera sur une soirée. Que c'est des inscriptions individuelles, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe pour vous inscrire, tout le monde peut s'inscrire. Ce sera sur une et une seule soirée, et ce sera soit un samedi, soit un vendredi. Voilà. L'idée, c'est de faire ça un soir de week-end, quoi. Un soir où on peut dormir le lendemain. Soit un samedi, soit un vendredi. Ce serait bien si j'avais des dégâts, en fait. Oh ! Ah, voilà. C'est fait. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Bah retourne chez Jap, gars, si tu veux dire des gros mots et utiliser des mèmes qui n'ont pas cours ici. Ça va? Oh, il s'est fait ban. Il s'est fait ban pour une ref. Gurim, t'es un peu dur. T'es un peu dur, mais en même temps, parfois, il faut l'être. Saison 5, 60% de win rate. Saison 7, 50%. Et là, 40, la losing queue existe. Je pense juste que tu régresses. Hein. Oh non, je pense simplement que tu vieillis et que tu régresses. Dini.
est-ce que je peux aider mon pote? J'aide mon pote. Ah, le retour de BJ Sub. Oh, le retour de BJ Sub, incroyable. Quatrième mois, déjà? Ça fait déjà 4 mois qu'on se connaît, ça me paraît. Hein. Ça me paraît exagéré, mais pourquoi pas. Merci beaucoup, Beige, pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Non, mais débannez-moi, gâche. Il a compris. Il a compris, il est comme ça, il est taquin. Non, mais viens dans le shield, toi. Voilà. Franchement, Lux Support, ça passe, hein. C'est sympa, hein. Tu tac plus, ça te coûte un pot de baleine par partie. C'est pas un truc qui est trop cher, le sel, mais... si tu commences à faire un pot par game, ça peut vite s'accumuler, effectivement. Bon, peut-être on va se barrer, non? Timorello pour l'anti-heal, là. Eh bien, le build, il est cohérent. Il a du sens. Il a du sens. Petit Rabadon derrière pour avoir enfin des dégâts et faire scale tout le reste, et ce sera très bien. Ou alors éco-harmonieux, hein, pour all-in... En vrai, j'ai pas trop besoin de dégâts, donc on peut all-in sur le support. Parce que éco-harmonieux, les compétences de soins et de bouclier rendent des PV. Vas-y, moi, je veux soigner mes potes. C'est nouveau le fait qu'il y ait les gold négatifs. Genre le prix de l'objet, il est écrit en gold négatif en bas à droite pour dire combien il va nous coûter. C'est nouveau ça. Salut Poupou. C'est nouveau je crois. C'est encore un quality of life. Qui a été rajouté. C'est là depuis longtemps. Bon bah j'avais jamais vu alors. C'est là depuis longtemps mais c'est pas là depuis toujours je pense. Ah. Vezonia, t'es pris deux cages d'affilée, mon pauvre. Bouclier sur toute l'équipe. OP. C'est OP. Ça fait au moins 3-4 mois. Bon, oh, relativement récent dans l'histoire du jeu, alors. Depuis la 3.5A. Oh, c'est historien. Regarde ce flash cage. Ah bah non, pas le temps. Pas le temps. Si tu cliques sur le ping... Ça le ping dans le chat aussi. Ah oui, ça, je savais. Enfin, ça, je savais... comment je fais pour savoir l'un et pas l'autre. Oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi quand j'ai relancé le stream. J'ai même pas ouvert mes fichiers pour mettre à jour le rang et le score, là. Pourquoi ils sont si grands? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui.